Voilà, Franck, installez-vous. Merci, Hervé. Bonjour à tous. C'est le coup d'envoi, donc. Nous allons suivre le match entre l'OGC Nice et le SC Bastia. Le football qui est peut-être à la croisée des chemins en ce qui concerne l'arbitrage. C'est vrai que de plus en plus d'experts préconiseraient l'utilisation de la vidéo sur certaines actions litigieuses. J'aimerais peut-être, on verra. Joueurs qui viennent de donner le coup d'envoi à l'instant. Si c'est Mike Boteac, Lampalis Mendy, Romain Genevoix. Et ouais, le ballon qui circule bien à la Sampléa. Elle réussit à passer. Et non, il ne tombe pas, il a résisté à la charge. Peut-être le but. Si c'est. Transmet à Djibril Cissé. Qui pour le reprendre. Ah, c'est pas très bien centré. Le défenseur est le premier sur ce ballon. La défense qui commençait à s'empêtrer un peu avec ce ballon. Les 30 derniers mètres. Ah, il a bien sauté hein, pour éviter le tacle. Il ne peut maîtriser ce ballon. La défense qui va être sous pression avec ce corner qui est concédé. Excellente intervention défensive. Ça donne vraiment une très belle image. Mathieu Payberne. Djibril Cissé. Jean-François Gillet. Mathieu Bonnemer. Valentin Essérick. Attention, le défenseur est passé au travers. Faute et coup franc, ça peut être dangereux.
qui sort. Mathieu Coyberne. Romaric. Ah, c'était impossible à contrôler quasiment. Boudbouze. Bon ballon dans la surface. Il éloigne le danger. Et il n'arrive pas à contrôler le ballon sur son tacle. Ça s'approche. Ben Arfa n'a rien pu faire pour empêcher ce ballon de sortir. Romaric. Sorti de lui donc. Tiens, je vous propose de revoir cette occasion. La défense a eu chaud. Djibril Cissé. Romain Genevoix. Elles sont à la lutte. Digard récupère ce ballon dans l'autre jeu. Romaric. Eric Botéac, Digard. Un long ballon loin devant. Le joueur qui saute pour éviter le tacle. Diawara. Ben Arfa. Ah non, il ronde le ballon à l'adversaire là. Ben Arfa. Valentin Essérique. Digard. Voilà, ça me plaît. Jean-François Gilet. Djibril Cissé. Romaric. Il perd le ballon. On va se battre à la tombée. Ouais, bon centre, mais la défense s'est montrée vigilante. Eric Potéac. Romain Genevoix. Boudbouze. Cissé. Oh, qu'elle est bien partie. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. On va tenir finalement corner.
Coup de bouse. Ah là, ça va Pléa. Ouais, coup franc indique l'arbitre. Le geste n'était pas fait dans la règle. Valentin et Céric. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Et l'arbitre vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement. 0-0 pour le moment. C'est toujours aussi serré entre ces deux formations. Et elles font jeu égal pour le moment. Il faudrait peut-être tenter un peu plus pour essayer de surprendre un bloc qui de part et d'autre est bien en place. L'arbitre vient de donner le coup d'envoi de cette seconde période. Ouais, on espère que la mi-temps aura fait du bien à tout le monde et que les joueurs vont enfin oser quelque chose. Ouais, le défenseur qui prend ses responsabilités. Intercepte. Jean-François Gilet. Ils vont tenter de déborder par l'aile peut-être. Il y avait de l'idée, mais il se fait prendre. À son côté, c'est bien joué. Jean-François Gilet. Allez, ne pas gâcher cette occasion. Il a du soutien. Il trouve son partenaire. Oui, c'est pas mal ce centre. Et le bon placement du gardien. Si c'est... Oh, cette fois-ci, il trompe le gardien, il y aura but. Une très bonne sortie du gardien. Eh oui, il fallait y aller sur ce ballon. Coup de bouse. Romaric. Mathieu Payburn. Et ce ballon qui sort finalement. Changement de joueur. Tandis que l'entraîneur abat ses dernières cartes avec ce changement. Manifestement, il veut gagner ce match.
Avec Patriac. Allez, touche. Mathieu Payberne. Oh, ils sont nombreux. Oh, ça peut aboutir. Jean-François Gilet, il se dispute le contrôle du ballon. La frappe. Et le ballon qui est sorti. Sorti de but. Corner, ça peut être dangereux. On voit ce duel gagné. Avec classe en plus. Toujours ce score de parité donc. Possession de balle assez équilibrée, on le voit. C'est peut-être la clé du match d'ailleurs. Alaric. Mathieu Payberne. Mais que va dire l'arbitre après cette faute? Ah, c'est le jaune. Il s'est un peu laissé emporter hein, sur ce tacle glissé, on dirait. Ouais, je crois que l'arbitre a eu raison de siffler la faute en tout cas. Et la voilà la frappe. Oui, but. Et on revoit le superbe coup d'œil du passeur juste avant ce but. Et tout par-delà en effet. C'est vraiment une passe qui, comme son nom l'indique, est décisive. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Il aura fallu attendre la seconde période pour voir le premier but. Nil Mopé. Romain Genevoix. Ben Arfa. Il a le temps de lever la tête avant de centrer. Un superbe centre. C'est contré. Ça peut être dangereux. Elle vient lui prendre ce ballon. Diawara qui ne peut empêcher ce ballon de sortir. Il va être remplacé. Le fait qu'il ait été coupé d'un carton jaune tout à l'heure n'y est peut-être pas étranger.
Oui, le duel. Jean-François Gilet. Cissé. Oh, Djibril Cissé dans ses œuvres. Ils prennent de l'avance, ils vont bientôt prendre le large. Et c'est sous la barre, c'est imparable, mon cher Hervé. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Ils accentuent leur avance, le score qui est désormais de 2 à 0. Digard. Romain Genevoix. Mathieu Bonnemer. Et ça continue. Souleymane Diawara. Oh, ça fuit le fond des filets. On revoit ce but qui leur permet de réduire l'écart. Qui sait? Ouais, il ne reste plus beaucoup de temps à jouer, mais après tout, ouais, il n'y a plus qu'un petit but de retard. Et quelle frappe! Quelle frappe, Hervé, juste sous la barre transversale. À la marque désormais de buts à 1. Jean-François Gilet. À l'arbitre qui a décompté les arrêts de jeu, il y aura 5 minutes de temps additionnel. Digard. Mathieu Payberne. Alaric. Djibril Cissé. C'est le score final, ça y est, c'est terminé. Franck, un mot sur ce match qui a tenu toutes ses promesses. Hein. Eh oui, l'enjeu était de taille hein, et pour les supporters, eh bien, cette victoire fait du bien. Pour eux, ce n'est pas loin d'être le match de la saison. Alors quand on l'a gagné, eh bien, on la savoure cette victoire. Merci à vous et bonne fin de journée.
Djibril Cissé. Souleymane Diawara.